Et coucou mes petits renardos, on se retrouve pour la suite de Hyrule Warrior et nous continuons le scénario de Wind Walker à la recherche d'indices sur Tetra qui a été enlevé par le Piaf et donc on se retrouve avec Lana dans le désert Gerudo. Sous une case 3000 il peut y avoir un truc intéressant. Ok. A short time before the strange happenings washed over the kingdom of Hyrule, Lana had returned to the Valley of Seers, where she used sorcery to search for clues to the vanished Sia. It was there that a figure appeared and stole away the Triforce of Power. It took Lana by such surprise that she never had a chance to identify the thieving villain. At this point, the strange happening in Hyrule occurred, and Link was sent off to investigate. Lana sensed that a gate of souls had appeared in Gerudo Desert. She also sensed that she might be able to uncover new clues to Sia's disappearance if only she visited that spot. And so, Lana left behind the Valley of Seers and set off for Gerudo Desert. Donc Lana cherche des indices sur Sia. En effet, il me semble que dans une autre vidéo, j'avais dit que c'était quand même bizarre, puisque Sia et Lana étant la même personne, c'est bizarre qu'on puisse tuer Sia sans que Lana n'en souffre. Je rappelle qu'à la base, elles étaient une seule et même personne qui se sont juste divisées en deux. Elles ont la même âme et donc la même vie. Ça m'a toujours semblé bizarre. Donc, est-ce que Sia ne serait pas... Peut-être. Allez, c'est parti. Pourquoi y a-t-il autant de portes d'âme? Fermons-les pour empêcher l'apparition des monstres. Ok, en effet. Attention, des monstres inconnus protègent les portes. Bah, logique, si c'est pour entrer. Ok, et demain. On va réactiver ça. Alors, normalement. Je crois que. Ouais. Voilà, mais ça c'est celui de Tetra. Voilà, donc il est là. Mais il me faut Tetra pour l'ouvrir, évidemment, parce que c'est son coffre à elle. Alors, ce que je vais faire justement quand j'aurai le contrôle de Tetra. Parce que. Ben voilà. Hop. Il faudrait que je vais prendre ça, parce que c'est leur point faible. Ah bah voilà. Il n'y a toujours pas de musique hein, d'ailleurs quand il apparaît. Hein. Je crois que c'est un classique. Hein. C'est quand même très bizarre. Hein. C'est quoi ça? Un losange icosaïque nous est tombé dessus. Peut-être juste se reposer, on ferait mieux de le laisser tranquille. Oui. On continue à éliminer les gros blancs. Et Tetra est apparue. Donc pour l'instant, elle est injouable, mais elle est apparue. Ah mais si non, me laisser tomber dans ce désert, ça passe sa part. Elle est profitant de son attention pour partir à l'anglaise. Alors, faut malheureusement faire le grand tour pour atteindre l'autre côté du désert. Bon, on va profiter pour éliminer les deux qui sont là.
Mais qui es-tu? Moi, je m'appelle Tetra. J'ai été enlevé par cet oiseau, le roi cuirassé. Le roi cuirassé. Bah le voilà d'ailleurs. Ah, il m'a repéré, je crois. Tu viens m'aider à m'en débarrasser? Ouais, attends une seconde. Je termine juste la petite mission de base et je te rejoins. J'ai pas tout compris, mais si je peux chercher cet oiseau, ça me va. Attends, ça peut débarrasser du moblin qui est là. Voilà, ok, c'est bon. Ok! Ah, il y a Link aussi qui vient d'apparaître. Et Link est jouable. Ok. Ok, lui il s'en va. Les monstres ne devraient plus apparaître maintenant. Oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'on a fermé les portes. On a réussi à se débarrasser de l'oiseau. Ok, il y a les portes qui viennent de s'ouvrir, c'est parfait. J'ai pas vu où était apparu Link en fait. Le Link est jouable, mais je vois pas où il est. Sur la map. Il ne me reste plus qu'à aider cette fille. Mais en fait, Link, il est juste avec Tetra, en fait. D'ailleurs, au passage, puisque Link est jouable... Et ben voilà le cœur pour la nain. Hop. Et le cœur pour Tetra, on sait où il est. Faut juste que j'ai le contrôle de Tetra pour le récupérer. Alors ça c'est fait. Donc on va maintenant aller par là. Link qui se dirige vers les Alphos, qui se dirige vers la base. Ok. Ok, je vois où est Link. Ok. Notre chance, on va se débarrasser de cette vermine d'humain, oui, bien sûr. Ah, ici, c'est vraiment la succession. Ah, Tetra est jouable. Alors, puisque Tetra est jouable,
Hop. On va déjà aller récupérer ça, puis on va prendre le fort qui est juste à côté. Hop. Ok. Et on va en profiter aussi pour éliminer les alphos qui sont juste à côté. Ah ! Hello toi ! Donc là, il me manque juste la sculpture là. Ok. On va essayer de faire fuir vite fait le piaf. Faut savoir que le piaf, chaque fois qu'il s'enfuit et qu'il retourne dans sa base, il se soigne. Hein, donc c'est pour ça que le but, ça va être de prendre justement la tour de jugement pour l'empêcher de se soigner. Mais il faut pas que je le laisse non plus faire trop ce qu'il veut. Voilà, donc là il s'enfuit, c'est normal. Je vais vite me débarrasser de ce qu'il y a là-bas. Il y a la scopula qui va pas tarder à apparaître. Là par contre je sais plus où elle va apparaître justement. Ok, les alphos c'est fait. Attendez, vu les ennemis qu'il y a ici, il n'y a plus moyen de faire pop la scopula, non? Ok, ça va. Je me demande s'il n'y avait pas par là. Elle est jamais au centre de la toile d'araignée. Hein. Non. Bah, elle n'est pas forcément au centre de la toile d'araignée. Comme par hasard, elle va y être. Ah ah ah. Ouais, donc c'est ça, elle va être là. Non, je me suis éloigné trop. Là! Voilà, hop. Ok. Alors, il faut rejoindre la tour du jugement. Oh oui, j'ai pas noté la sculpture là. Attendez. Hop. Voilà. Où est-ce que je suis? Là. Donc là maintenant on peut s'occuper du piaf. Oui c'est pas grave. Ce que je vais faire justement. Voilà, bah, il a rejoint Tetra. Donc je vais envoyer Link pour rejoindre Tetra. Et moi je vais continuer à aller m'occuper de la tour de jugement pour ne pas qu'il puisse se replier une dernière fois. Il a l'air plus en forme qu'avant, peut-être parce qu'il s'est reposé. Bah oui, c'est le but, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne la tour.
Non, merde, c'est parce que je voulais avaler. Voilà, maintenant, on peut rejoindre les deux autres et s'occuper du piaf. Ok. Devant! Non mais... Ah, la hitbox! Il faut vraiment se mettre bien devant lui en fait. Ah non, me dis pas... Oh putain! Me dis pas que j'ai encore mon truc qui a bugué, sérieux! Des fois il y a des bugs de collision comme ça. Ça y est! Oh purée! C'est chiant quand ça fait ça. Ok. Donc vous l'aurez compris d'ailleurs en voyant le compteur de cœur et de sculpture, bah le chapitre de Winocœur est très court. Hein. Le chapitre de Winocœur il fait que 3 chapitres. Et donc le scénario principal va déjà se terminer. Allez, donne un coup de bec. Un coup de bec j'ai dit. Voilà. Ça me semble bizarre, ça s'arrête déjà en fait. Je me demande si j'ai pas oublié. Je crois qu'il doit y avoir encore 2 chapitres en fait. J'ai dû oublier un truc à mon compteur. En fait, je crois que vous avez quelque chose à faire, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas pu trouver aucun indice sur Sia, mais je dois continuer à la chercher. Ouais, c'est ça. J'ai oublié un chapitre à mon compteur. Je pense. Parce que. Normalement, il doit rester encore 2 chapitres. C'est pas grave. Lana et Link managed to rescue Tetra and close every gate of souls. But the change that had overtaken Hyrule seemed irreversible. Lana, Link, and Tetra were all at a loss as to how to remedy the situation. Just then, when they were most in need of help, a certain legendary figure appeared before them. He was King Daphnis Nohanson Hyrule, the King of Red Lions himself. In Tetra's world, King Daphnis was the ruler of the ancient kingdom that had been sealed away. By divine command, he revealed himself, hoping to save a world rocked by strife. He explained that the cause of the conflict was an evil presence in Tetra's world. Their target much clearer. The heroes knew where they had to go. They set out on their next journey, dreading the difficult battle ahead. Encore une fois, c'est dommage que le scénario soit raconté par une voix off. Ça aurait été bien d'avoir vraiment des scènes cinématiques et tout, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Ça confirme que j'ai oublié un chapitre, en fait, ouais. On est à 64 cœurs et 32 sculptula et pas l'inverse. Et pas ce que j'ai mis. Voilà, Tetra et personnage jouable, voilà. Sabre de pirate, logique. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, on va modifier ça. On va modifier ça à todo suite.
Voilà. C'est des choses qui arrivent, hein. Voilà. Ok. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un commentaire. Si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.